they also got trained. KTM, they call it Dixon, so they got trained, everything. You've been before? No. Never. But now, Lamins are very, because now they make it tourism center. So now we take the photos, are beautiful. And the big statue? Yeah. Who is it? The front there one, you mean that? Yeah, that one they call it Murugan. M-U-R-U-G-A-N, Murugan. It's a god? Yeah. It's a god. That god is very handsome. The god got two wives. It's a god of what? Yeah, now you go there. God of what? Sorry? It's a god, but god of what? This god, two wife, you know wife? Yes. Yeah, you have two wife. Yeah. And children? No children. No children? No children. Okay. À 10 km au nord de Kuala Lumpur, devant un sanctuaire hindou, un truc énorme qui s'appelle les grottes de Batu ou Batu Cave en anglais. Et en fait, c'est un sanctuaire qui a été fait à l'effigie d'un dieu, le dieu de la guerre. Je me rappelle plus de son nom, mais c'est pas trop important, je l'écrirai quelque part. La statue derrière, elle fait presque 60 mètres de haut et il y a 300 marches. À l'intérieur, il y a des grottes gigantesques. Je crois qu'il y a trois grottes principales et puis plein de petites grottes. Je vais voir tout ça. À l'origine, c'est les paysans qui venaient ici chercher du guano avant que ce soit un sanctuaire. En fait, le guano, c'est quoi? C'est tout simplement des crottes desséchées de chauves-souris et d'oiseaux. Ils s'en servaient pour fertiliser la terre. Et c'est ensuite que c'est devenu un sanctuaire hindou.
J'ai trouvé qu'il y avait une ambiance très particulière qui se dégageait de ces temples, en particulier celui des Batu Cave. Il y avait quelque chose de très spirituel, de très vrai, et puis j'ai trouvé ça super impressionnant. Je crois que c'est un des plus beaux trucs que j'ai vu dans ma vie. Très beau, c'est très coloré. Et puis je trouve que dans leur façon de pratiquer la religion, il y a une prise en compte de la nature que j'ai pas forcément vu dans les autres religions comme le christianisme ou l'islam. C'est des religions qui sont beaucoup basées sur l'humain. La nature est peu présente finalement dans ces religions. Peut-être que je me trompe, je suis pas un spécialiste, mais c'est l'impression que j'ai en tout cas. Après quelques jours dans la capitale, j'ai commencé à comprendre un peu cette ville, qui est extrêmement diversifié en termes d'ethnie et aussi de religion. J'ai vu des mosquées, des églises, des temples bouddhistes, taoïstes et des temples hindous. Ça fait pas mal de choses. Même ethniquement, déjà il y a les Malais, on les appelle comme ça, les gens qui sont originaires de Malaisie depuis toujours en fait, qui sont ethniquement des Malais, qui représentent une grande partie de la population. Mais il y a aussi quand même beaucoup de Chinois et d'Indiens. Au début je pensais qu'il y avait beaucoup de Chinois parce que c'était les vacances en Chine, mais en fait non, c'est juste qu'il y a une grande proportion de Chinois qui vivent là en fait. Peut-être 20%, quelque chose comme ça. C'est eux ici en Malaisie qui contrôlent toute l'économie du pays. Donc voilà, un pays qui est très cosmopolite et je trouve ça vraiment super intéressant de voir tout ce mélange de cultures et de voir que tout se passe très bien en fait. Pour la nourriture, c'est vraiment un aspect très positif de pouvoir manger un jour chinois ensuite. Par rapport à cette vidéo, j'ai voulu la monter avec un format un peu différent de ce que je fais d'habitude. C'était pour que vous puissiez vous immerger comme je l'ai fait, aussi ressentir un peu les émotions, les sensations que j'ai eues. Voilà, c'était un peu le but de monter de cette manière-là. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires, si vous préférez ce genre de format de vidéo ou plutôt ce qui était proposé avant. Peut-être que je ferai plus de vidéos comme ça avec des moments de vie filmés sans forcément commenter ce qu'il y a à voir, juste laisser les images parler d'elles-mêmes. Sur ce, je vous laisse et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao !